C'était aussi pour m'habituer, hein. Je suis pas très doué aussi à ça. On va s'arrêter sur la Zigmu. Au revoir, Zigmu. Et on va du coup enlever PS. Alors attends 2 minutes. J'enlève Photoshop. Ok? Ça c'est bon. On va enlever Chrome parce qu'on n'en a pas besoin. Est-ce que le jeu est là? Oui. La playlist, on peut la laisser, mais ça, de toute façon, ça va changer. On va avoir de la grosse musique de foufou. Parce que la musique de. Est-ce que le jeu est bien sélectionné? Ce n'est pas genre un truc que j'ai testé récemment. C'est où déjà? C'est dans ma scène qui s'appelle Jeu. Le jeu. Exact, nous sommes au bon endroit, au bon moment. Donc normalement, ça va se lancer. Et ça va être pas mal. On va bien s'amuser. Je déplace cette image, ça aussi. J'ai besoin de ça. J'ai besoin du chat. Voilà. Et j'ai besoin du jeu, s'il vous plaît. Display to simple. Oui. Voilà. Alors du coup, est-ce que la caméra est au bon endroit? Je ne crois pas. J'aurais pas dû faire comme ça. Je sais pas. Hop. Comme ça, c'est pas mal. Tududum, tududum. Ah, on peut dire ce qu'on veut, elle est archi bien la musique. On était là? Ah, c'est à ce moment-là où j'ai remarqué que je faisais des bêtises? Non. Ah non, c'était dans l'autre sens. Je tente. Je vais faire un petit. Voilà, seems good. bon bah ouais. En fait, c'était ça qu'on avait fait la dernière fois. Ah mais non! En fait, faut que je l'appelle, je crois, de l'autre côté. Je sais plus comment j'avais fait. Ouais, là, il va aller plus loin. Allez, au revoir. Ah non, mais c'est vrai que je peux aller là-bas. Je vais aller là-bas. Ah mais j'ai pas pris ça! Oh là 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 là! Ça va être compliqué. Ah oui si, je peux faire tout le tour. Je crois que c'est ça l'histoire. Mais c'est bizarre parce qu'on l'avait fait celui-là, je crois. Aïe aïe aïe, cramé. C'est très très fort pour moi, je sais pas si c'est fort pour vous. Est-ce que vous m'entendez parler quand je parle ou... Noise Gate, il marche bien, non, quand même. Je suis en train de regarder, hein. C'est pas mal. Hein. Alors. Trop loin. Trop loin, le double clic t'a tué. Bah, j'ai pas pris le truc, oh là là. Et c'était là-bas qu'il fallait que j'aille. Oh là là, je fais n'importe quoi. On va faire ça, on va le faire revenir tranquillement. Oh là là! Salut! Et on va revenir ici, c'est pas grave si on perd l'étoile, ça nous fait juste débloquer des bonus plus tard. Le son est trop fort ou pas? Je sais pas en fait, c'est à ça que tu répondais, Nibbler?
Alors, je sais pas par où il passe. J'aimerais bien qu'il passe par tout droit. C'est ok pour nous? Ok, super. Allez, va jusqu'au bout, jusqu'au bout. Aïe, aïe, aïe. Ah, je vais me faire cramer. Aïe, aïe, aïe. Ils vont passer des deux côtés, là. Ah non. Non. Oh là 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 là. C'est ok pour nous. Merci, Nibbler again. Alors, ASMR ouvrage de bouteille. Oh non. Pas d'éternuement. En fait, faut que je patiente un peu, je pense. Parce que je joue pas la patience avec ce jeu. Je joue pas non plus l'intelligence avec ce jeu, d'ailleurs. Je devrais être un peu plus calme. Donc là, par exemple, il va avancer. Ici. Il rentre. Tout ce qu'il y a de plus normal. Et là, je peux pas l'envoyer là-bas. Mais par contre, je peux faire un truc. C'est-à-dire faire ça. Ah non, j'aurais dû rentrer là. Je vais le laisser rentrer jusqu'au bout, c'est pas grave. Hop. On va faire ça. Le problème, c'est que si là, je le déclenche ici... est-ce que je peux pas faire juste ici? Lancer là? Non, je peux pas. Un. Deux. Te retourne pas, te retourne pas. Oh là 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 là. C'est fini. Ah, j'étais pas loin. 27... Ah, c'est 27 tours, donc ça veut dire que je peux me permettre de faire tout ça comme chemin. Donc on va faire le chemin normal. Donc ça, pour moi, il est, c'est un peu le minimum. On est obligé de récupérer les trucs pour moi. Non, c'était là-bas qu'il fallait aller. Ah, je récupère, je pars. Je vais là-bas. J'ai un cran d'avance, là, par contre. Quoique, en fait, là, c'est pas mal. Hop. On le lance. Alors... Est-ce que lui, il l'entend si je le lance là? Normalement, oui. Oui, ça, c'est pas mal, ça. Allez, hop. Et déjà, j'ai un cran d'avance, du coup. Allez, 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 allez. Voilà, ils sont loin. Parce qu'en fait, j'ai pas calculé la portée. Et là, je devrais juste le sortir du truc pour ce qu'il l'enferme. Et voilà. Bon, on n'a pas du tout eu la troisième, mais comme tout, en fait. Ah, il y a des nouveaux trucs. On va couper des barbelés. Aïe, aïe, aïe. Et c'est illégal, ça, monsieur? Ah ouais, il y a les tours et tout. Oh là là. Allez, oui. Allez. On va aller chercher le truc là. On va aller dans là pour aller chercher la bouteille là-haut. Mais on voit pas grand-chose là. Comment qu'on se déplace la caméra? On la déplace pas, c'est ça? Ça, c'est un coup à mourir vite. Hein. Ah, tiens, il y a une lecture. Dondi White, son nom est une comète qui a traversé les continents et les décennies colossales. Contributeur de la scène graffiti new-yorkaise, Dondi White jouit du statut de légende, notamment grâce aux photographies prises par Martha Cooper. On en a parlé la semaine dernière. C'est un spécialiste du wall car, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, ce que j'ai appelé le wall vert.
Ces graphes gigantesques qui habillent des pieds à la tête toute une rame de métro. Fondateur du mythique CIA, hein, donc Crew, il commence à taguer au cours des années 1970 sous plusieurs surnoms. Celui qui lui permet d'acquérir une parfaite maîtrise de l'alphabet et le titre de The Style Master Général, donc le maître général du style. Son style unique se développe sur toile et s'expose dès 1982 à la prestigieuse Fun Gallery, donc qui est un des premières galeries qui a eu du graffiti. Dondi White est décédé en 98, laissant derrière lui un héritage considérable. Et oui. En style surtout, comme c'était dit. Alors, j'ai quitté le monde. Ok, d'accord. Ah oui, c'était ça que je voulais faire, j'avais oublié. Oh là là. Mais non! Le double clic! Non, mais allez par là, s'il vous plaît. Oh là là. Oh là là. Bon, au moins ça sera ouvert, si jamais on a besoin. Là, si je déclenche maintenant, tout le monde va venir. Ah, peut-être pas. Ah bon, on va le faire maintenant, on va voir ce que ça donne. Donc, fat, comme d'habitude. Ah, c'est un format carré. Alors, format carré, on avait dit que ça devait être un peu Chacao style. On a fait un truc comme ça, je crois. Ah non, c'était pas. On n'avait pas essayé comme ça, on peut essayer comme ça, on va voir ce que ça donne. Oh là là, c'est dur les lignes droites, hein. J'ai pas signé cette fois-ci. C'est pas grave. Allez, on se barre. Tum, 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 tum. Ah, je suis piégé, il va se retourner. Allez, on descend. Vite, 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 vite. Oh, je les ai trigger tous les trois, c'est bien ça. Est-ce que je vais pouvoir m'en sortir sans regarder la caméra? Non! Non! Voilà, c'était sûr. Pourquoi on perd des frames là? On perd des frames. On perd des frames. Ah oui, c'est vrai que c'est Vandal si on perd tout le temps des frames avec Vandal. Oh. Attendez, peut-être que c'est parce que j'ai mal. Ah, le bruit est horrible. Aïe aïe aïe. Mais non, mais j'ai cliqué en bas. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe? Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Mais non! J'ai cliqué en haut! Dane! Donc ouais, Vandal, il nous fait perdre des frames.
Alors là, c'est bien parce que c'est compensé, on est à juste 1,2% seulement d'image manquée, donc ça va, mais je crois que c'est le maximum, c'est 2. Autorisé sur Twitch, entre guillemets. Ah, là, il y a vraiment un problème. Attendez, je vais essayer de regarder, voir si on peut... J'enlève la cam 2 minutes. On va essayer de voir si sans la cam, ça va mieux. T'as un problème de lumière, toi aussi. C'est marrant. Bon, et on va les trigger tout de suite, comme ça c'est fait. Non, c'est le jeu, hein. Pour l'instant, c'est le jeu. Ah, je suis piégé. Oh là là, j'aime pas. En même temps, j'ai tout, je peux me marrer. Hein. Non, c'est le jeu, ouais. C'est même pas la caméra. Comme quoi. Attention, éternuement. Ah, vous avez pas eu l'éternuement, c'est bien. Je remets la caméra, ça change rien, en fait. On a débloqué Berlin, 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 Berlin. Ah! D'accord, Berlin, c'est le mur. Hein. Ah oui, c'est 84, ouais, d'accord, ok. J'ai rien dit. Est-ce qu'on va casser le mur à la fin? Grande question. Est-ce que si j'ouvre, il m'entend? Bonjour? Alors, bon, on va laisser les anarchistes et leur truc, on va faire un carré. Hein. Ah, d'accord. Oh là là, cette ligne droite là sur le côté. Mais... Le dépassement était dur. Waouh. La musique est bien hein, dans ce jeu, n'empêche. Hein. On peut dire ce qu'on veut, hein, mais bonne musique. On va faire le même que les derniers. Alors là, on est à Berlin, du coup, je connais pas trop le style autre que. Surtout en 1984, là, je connais pas du tout. Le style du graffiti, à part que, à mon avis, c'est principalement du tag, comme on voit à côté. Là, on voit un peu de trucs, mais. C'est très européen, donc en fait, il y a un gros mélange avec la France. Aussi, comme style. Si t'as des liens, n'hésite pas, je crois que t'es modo, tu peux. Après, ce qui est bien, c'est que là, par exemple, voilà, on va regarder là, il y a écrit un truc. Le mur. Long de 150 km, 155 km, haute de 3,60 mètres, surveillé nuit et jour par des milliers de soldats et des centaines de miradors, jamais une frontière n'avait paru si infranchissable. Bah presque, hein, j'ai envie de dire. Érigé en 1961, le mur de la honte a scindé Berlin en deux pendant de longues années et a attiré une kyrielle de street artistes. Alors, j'invite à regarder les murs palestiniens. Plutôt les murs israéliens, ça dépend de quelle position vous vous placez, et les murs américains, pour un peu plus d'actualité.
Alors, farouche et subversif, il se passait le relais pour camoufler ce symbole de la guerre froide. Mais Thierry Noir, Kif Haring ou Kavi à la vie. Alors, c'est très coloré. Ben, du coup, je devrais changer de couleur, peut-être, je pense. Ne sont pas les seuls à prendre. Ah oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de couleurs complémentaires du côté du nord de l'Europe. Genre Hollande et compagnie, il y a beaucoup de couleurs un peu flashy, quoi. Donc, mes Thierry Noir, Kiefer Haring ou Kavi à la vie ne sont pas les seuls à prendre les pinceaux. Anonyme et Tagger écrivent leur nom, leur colère et leur espoir, transformant au gré des décennies cette séparation en trait d'union entre les peuples. Et ce, jusqu'à la chute du mur en 1989, célébré dans la liesse des retrouvailles entre Berlinois de l'Est et de l'Ouest. Il n'y a jamais eu un truc aussi propre. Hein. En fait, j'aime bien le côté t'as loupé quand même. Hein. ça fait moins mur, moins faux mur, quoi. Ouh là là, il faut ouvrir beaucoup de choses. J'aurais dû siffler avant. J'y ai pensé au moment où j'ai ouvert. C'est ça, est-ce que c'est des couleurs complémentaires ou pas, alors du coup, Nibla? Est-ce que j'aurai le temps? Oui. J'ai le temps. J'avais le temps. Ah bah le jaune, c'est bon, alors. Si primaire, c'est bon, là, c'est bon. On est bien. Donc il faut obligatoirement qu'on ouvre le dernier passage. Ici c'est important pour sortir. Waouh. Et là aussi c'est important en fait. Ok. En fait faut que j'aille là, que je chiffle ici. Que j'ouvre ici. Ah ouais, non, mais il aura pas fini son tour. Donc faut que j'ouvre en bas. Voilà, là il tourne. Je fais le graffiti peut-être, si on peut le faire. Après, je monte pas trop de skill hein, au final en faisant le graffiti. Hein. Je fais juste ma cartouche again and again and again. Hein. Faudrait que j'y réfléchisse un peu plus si je dois faire un peu un truc un peu poussif. Mais je pense que c'est un peu difficile. Ça prend du temps en plus. Là, on fait une sorte de flop. Au moins, c'est fait quoi. Alors, non. Voilà, caché. Alors attendez, comment on avait fait? Hop, hop. Voilà, ça ressemble un peu plus à un truc intéressant. Et là, totalement dans la non-lisibilité. Alors, on va essayer de relier ce... on va accepter ça, c'est bien. Donc là, ils sont trigger, donc essayez de venir. La question c'est pas... Ouais, ils vont passer par là, moi je vais passer par là, et je vais ouvrir là-haut. Et là, normalement, ça devrait aller. Aïe, 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 je crois que si je reviens en arrière, là, je me fais que repérer, je crois que c'est le mauvais... Ah non, c'est bon. Non, oui, oh oui, c'est bien. J'aurais pu avancer, tant mieux. Il y avait pas une histoire quelque part, hein, parce que j'ai pas regardé, mais... Ah, je connais ça. J'ai déjà vu. Je sais pas où, mais j'ai déjà vu. Ah, carrément. Attends. Elle a des mouvements maintenant. Attends, voilà. Thierry Noir, à 20 ans, libre et intrépide, Thierry Noir débarque à Berlin en 1982. Le français atterrit dans un squad d'artistes et rencontre alors Christophe Bouchet, également artiste.
Ensemble, ils récupèrent des vieux pots de peinture, des pigments et des pinceaux, et en une nuit, ils se lancent un défi, badigeonner le mur de Berlin. Sous leurs pinceaux, d'immenses visages bariolés apparaissent au fil des années et au rythme des courses-poursuites avec les grands gardes frontières. Cette peinture au kilomètre attire l'œil du réalisateur Wim Wenders, qui tourne une séquence de son film Les Ailes du Désir. Pareil qu'il est bien. Le Frenchie n'a éprouvé aucun regret lorsque son œuvre a été réduite en gravats. Pour lui, peindre ce mur, c'était déjà briser un tabou. Normal. Je graffe maintenant ou... Ouais, si ça va réveiller les deux, on va voir comment ils vont se déplacer. Au moins, ça sera fait. Donc là, c'est un format carré encore. C'est pas très droit. C'est pas vraiment un format carré non plus. C'est pas très droit non plus. C'est toujours pas droit. Waouh. Le contrôle du corps là. Contrôle de la souris. J'étais sûr que ça allait faire baver. Oh, à Berlin, on va tous les coller les arrondis. Alors normalement, ça les réveille tous les deux. Oui, exactement. Et là, ils vont essayer par contre de venir par là. Mais moi, je vais faire tout le tour. Ce qui va être cool. Voilà, tourne la tête. Non, mais non! C'est un peu tragique la musique ici. Hein. Ah bonjour. Là, on ne se connaît pas. Hein. 1, 2, 6. Je vais passer derrière vous. Non, pas du tout. Je vais pas passer derrière vous. Excusez-moi. Non mais toi si tu. Par contre si t'es trigger ici, moi je veux bien. Hein. Viens ici. Ouais, ça je suis content. Voilà, t'as un long tour à faire, moi aussi, et on est bien. Tiens, regarde, c'est là-bas. C'est bien, on pose à côté des grands noms. Bah, tant qu'à faire. Ah oui, d'accord. En fait, faudrait que je sois là. Ah ouais, je peux pas aller chercher loin, hein, le lancer. Hein. Bon, c'est pas grave. Venez ici. Nibbler, est-ce qu'il y a JDR aujourd'hui? Est-ce que tu masterises? Ah, il était bien droit celui-là. Oh là là.
Petite pensée à toutes les personnes qui travaillent sous Procreate et qui font ça plus droit. Ah oui, mais on a dit qu'on allait faire lier. Comment on va faire? Est-ce que je fais une liaison comme ça? Non, tant pis. Ouh là là. Bon alors je sais pas comment on va s'en sortir. Ah donc du coup déjà c'est limité à 2. Ok. Hop, 1. Ah mais je vais pas pouvoir aller chercher le truc là-bas là. Ah non, c'est mort. C'est mort. Ah, Kifaring. Lunettes rondes, des visages éternels d'adolescents, l'américain est considéré avec Jean-Michel Basquiat comme l'un des papes du street art et de la figuration. Alors, street art ou graffiti, hein, comme vous voulez, hein, mais ok. Et de la figuration libre. Aucune surface vierge n'a jamais résisté à ses feutres et ses craies avec lesquels il dessinait des personnages enfantins, sautillant dans tous les sens. Alors, enfantin, je sais pas, parce que ça ressemble à des adultes aussi. Alors, lorsqu'il débarque à Berlin en 1986, c'est tout simplement, naturellement, qu'il s'attelle à une fresque, aujourd'hui disparue au niveau du checkpoint. Charlie sur le mur grisâtre de séparation. Dans l'espoir de voir un jour la ville réunifiée, il peint une chaîne humaine de silhouettes imbriquées les unes aux autres aux couleurs du drapeau allemand. Une œuvre humaniste parmi tant d'autres dans la carrière de ce messager de la tolérance qui nous a quittés en 90. Comment dire. Là, c'est vraiment un mirador. Comment je vais faire pour l'attirer? J'aurais pas dû siffler. Que j'ai le temps, je sais pas. On va voir. Alors celui-là, il est toujours un peu compliqué. Oh là 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 là. Je suis moins doué de ce côté-là. Hein. On a dit qu'on allait les lier, donc on va les lier. Eh bien, si c'est possible. Ouais, là c'est un peu mieux déjà. Oh là là. Ah là. Oh non, j'en ai trigger 1. Aïe aïe aïe. Eh mais j'ai pas vu, mais l'heure a disparu. Comment ça se fait? Je ne vois plus l'heure. Comment je peux savoir quelle heure il est, moi? Et comment vous savez quelle heure il est, vous?
Bon. En fait, je vais faire comme ça. Passer derrière elle. Ah, mais je suis arrêté de... Bah, pourquoi il dit qu'il aurait dit raining? Ça veut dire qu'il y a l'heure, mais on voit pas l'heure. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Où est l'heure? Du coup, j'ai supprimé l'heure? Non, je crois pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu dis qu'il aurait dit raining, sachant qu'on voit pas l'heure? Je ferme, hein, je réouvre. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux pas nous afficher l'heure? Quelle heure il est? What time is it? Et là, là je le vois, et là je le vois plus. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est le jeu qui est devant. Ah, c'était juste ça. Bah dis donc, c'était si peu de choses. Je tente des trucs, hein, mais ça a l'air d'être bien pourri ce que j'ai fait. Aïe aïe aïe, je vais rien faire, je vais mourir parce que je suis bloqué. Non, ça faut vraiment que je garde. Du coup, bon bah viens, hein, écoute. Ah oui, c'est vrai que quand tu es à travers mon... Oui. Je sais pas comment tu fais, hein, parce que tu dois faire quand même le tour pour pouvoir m'arrêter, hein, je précise. Est-ce qu'on est bon là? Est-ce qu'ils ont beaucoup de chemin à faire quand même, non? Oui, c'est bon. 4 tours de trop. Je comprends. Je comprends. Tum, 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 Ah, je peux en utiliser deux. En fait, c'est pour rétrécir son chemin. Est-ce que je peux le prendre direct là? Non, bah non, bien entendu. Allez, tourne la tête. Je vais essayer de monter et de descendre là-haut. Voir ce que ça donne. On peut pas faire ça? Voilà, merci. Je sais pas si elle va... Elle va sans doute m'entendre. Je sais pas si je suis bloqué, du coup. C'est un peu brouillon, hein, tout ça. Et c'est un peu le but aussi, en même temps. Hop, hop, hop.
C'était un peu court. C'est un peu court. C'est un peu court. C'est un peu court. Tiens, j'ai pas tenté de... le hat graffiti dans... Est-ce que ça existe ça? Non, conception graphique. Voilà, on va rajouter ça. On va voir ce que ça donne. Ah non! Elle m'a pas entendu. Oh, c'est bien ça. Ça, c'est bien ça. C'est un bon move. Je suis content. Du coup, on va pouvoir le trigger lui. Ah, mais est-ce qu'on aura la suffisance de pouvoir le faire? Non, parce que là, si je siffle ici, il me voit, non? Ah, je peux rien faire. Ah, il faut forcément que je garde le dernier pour la dernière bouteille pour ça. En fait, il faut que je garde cette bouteille ici. Et que j'utilise celle-là pour pouvoir avoir accès. Non, mais j'ai cliqué à côté là, par contre. Vous voyez pas mon curseur, c'est dommage. Mais voilà. J'ai cliqué à côté. Hein. Je voulais tourner. Non mais là de toute façon c'est juste pour ça. Donc tu peux faire ton chemin. Ah non! Double clic de la mort. Ce qui m'a tué là cette semaine, c'est que j'ai regardé combien de temps ça prenait à être fini sur A Long To Beat et que je crois qu'il y a eu un seul commentaire et ce commentaire c'était 1 heure. Je me sens énormément mal. Du coup. Oh non mais c'est... Eh, j'ai cliqué en haut là! C'est pas censé ce qui s'est passé là. J'ai cliqué en haut. J'ai cliqué sur le bouton d'en haut. Sur le petit bouton en haut. S'il vous plaît. Votre hitbox est énorme. Elle prend 90% de l'écran, j'ai envie de dire. Mauvaise idée de l'embarquer ici. C'était très une mauvaise idée. Aïe aïe aïe. Tididum. Ça, je pense que c'est une bonne idée. Ça peut être une bonne. C'est une mauvaise idée. Ça, c'était une mauvaise idée. Voilà, maintenant, tu sais, c'est peut-être une bonne idée. On a refait la même chose en fait. Là, c'est une mauvaise idée. Ça, c'est une mauvaise idée. Ça, c'est une mauvaise idée. Mais là, c'est une bonne idée. Là, je le. Hop. Là, derrière toi, en fait. Papé, ouais, mais je connais son. C'est un mec qui avait pas fait un truc avec Benzaï. Qui avait fait le Benzaï Live. Comment ça s'appelle le. Avec. Ah, Papé. Attends. Le photographe. Je pensais que c'était le. C'est pas Papé et. Mais peut-être que je me trompe en marque de nom. Qui avait fait le tour au Japon avec. Avec Benzaï et. Ok. Et je pense que si on parle de la même personne, je suis pas sûr. Je sais pas en fait. J'ai pas vu son contenu donc je peux rien dire. Qu'est-ce que j'ai. Non mais j'ai cliqué en haut, mais pourquoi tu descends? Moi! Du coup, il parle de quoi en Papessan? D'ailleurs, on dit pape. Moi, j'ai toujours dit papé, mais.
Et San, c'est pas japonais? Du coup, je comprends pas. Je vais pas le faire maintenant. C'était une mauvaise idée, ce que j'ai fait au début, je crois. Et là, je pense que ça a l'air assez... C'est une bonne idée, mais faut que je clique bien sur les points, parce que sinon, je vais me faire avoir. Là, j'ai cliqué en haut! Mais arrête! C'est la sixième fois que tu fais ça. Et là, je vais me faire avoir. Fallait que je patiente encore. Mais Nibbler, du coup, tu m'as pas entendu te demander, vu que t'étais sur le live de Papé, si on avait JDR en fait. Ok. Est-ce que j'ai le temps là, vu que j'ai pas foiré mon double clic, mon clic là. Alors attends. En fait, je vais revenir ici. Je vais attendre qu'elle... voilà. Et je vais attendre qu'elle tourne la tête. Et là, le truc, c'est que j'ai un cran d'avance, donc du coup, je vais me faire avoir. Quoi? Pourquoi elle a tourné la tête de ce côté-là? Et du coup, San, c'est japonais, on est d'accord ou pas? Tu peux te checker ou pas? Genre, fais la commande Wikipédia, hein. Je pense que ça marche. Bon, allez, on va faire ça. Non, mais là, c'est une bêtise aussi. Oh là là, mais je comprends pas comment elle a pu me voir alors que j'étais en dessous et qu'elle devait tourner la tête dans l'autre sens. Donc là, elle tourne sur le côté une fois. Elle tourne sur l'autre côté, donc là, c'est bon. Là, elle est trigger parce que bon, voilà. Et ça, j'aurais pas dû faire ça non plus. Est un... Ah, c'est intéressant, ça. C'est marrant parce que je pensais que c'était... que ça allait renvoyer directement sur... sur autre chose. Lettre grecque, une lettre de l'alphabet géorgien. Du coup, c'est aussi un nom d'un peuple africain autrefois connu sous le nom de Boshiman. Vivant en Afrique du Sud et au Botswana. San japonais. Le japonais est la langue du Japon. Bon, ok. Là, je vais me faire remarquer. Allez, allez! Là, là, tourne! Oh là là, comment je vais faire ça? Comment je vais faire ça? Je peux pas bouger, là? Essaye de... Ouais, bon, du coup. Je vais faire une pause, de toute façon, faut que j'aille aux toilettes. Je reviens. A tout de suite. On va s'arrêter là, je crois, hein. Parce qu'il est 15h52. Le temps que je revienne, il est 16h. Donc du coup, on va continuer en faisant du going under, je pense. Ouais, on est dans les horaires. On est dans les horaires. Bon, à tout de suite. Des bisous pour YouTube, hein. Bisous, bisous. On vous aime, hein. Likez les vidéos. Abonnez-vous. Et mettez un pouce bleu, comme on dit. Salut.
vous laisse pas avec la musique, c'est compliqué. Alors j'arrive, hein, je me remets bien dans dans ma position de préparation pour jouer à Going Under. Alors, on va peut-être, je sais pas, essayer de chercher un peu San quand même, histoire de se mettre à jour. Ou sinon on fait... Enfin ça me fait rien. Je suis en train d'imaginer le react du react du react. Mais je sais pas si c'est recommandé dans le Twitch game et le YouTube game. J'ai pas envie de m'aventurer dans ce genre de truc. Du coup je ferme hein, le jeu. Hein. Il est bien la musique est cool hein, mais... Je trouve ça long. Je trouve ça très très long. Je remets la caméra. Alors il y aura tout un processus de mise en place pour Going Under. On a eu des problèmes d'overlay la dernière fois qui dépassaient, etc. Et du coup, on va essayer de voir si on peut tous se mettre à jour. Donc, il faudra que je baisse le titre, voir que je le fasse disparaître. On avait fait ça, je crois, la dernière fois. En soi, c'est pas très important le titre, mais. C'est quand même des informations qui peuvent être nécessaires, par exemple l'heure. Mais en tout cas, la caméra, il faudra que je la gère. Donc du coup, là, je crois qu'on est vers la fin, parce qu'il doit rester Tokyo, peut-être. Et ça doit être Tokyo, peut-être. Ça ressemble à Tokyo. Et après, je sais pas, peut-être que c'est... je sais pas, quelle est la dernière ville, mais il ne reste pas grand-chose. Donc peut-être qu'on aura fini la prochaine fois. On quitte. Ciao. Ciao, ciao, Vandal, c'était cool. On s'est bien amusé avec toi. Alors du coup, ouais, on va peut-être regarder un peu ce que c'était la particule, parce que c'est une particule, je crois, San, du coup.